Et coucou les amis, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie de Coinche de Belote Contrée. Si vous ne connaissez pas la chaîne, que vous découvriez, bah écoutez, soyez les bienvenus. Je partage avec vous mes parties de Belote parce que je suis une grande passionnée de Contrée et du coup, j'avais envie d'apporter ma contribution et puis d'aider les débutants à améliorer leur stratégie de jeu, à vous faire partager mon expérience pour juste vous aider à mieux jouer parce que c'est pas évident sur les plateformes en ligne étant donné que on a tous un peu. Enfin, c'est compliqué dans le sens où lorsqu'on joue en aléatoire, on tombe sur des personnes avec lesquelles on n'a pas forcément discuté stratégie. Et voilà, c'était pour un peu aussi, comment dire, vulgariser les bases et puis vous apporter vraiment des notions solides, voilà, les règles primaires et voilà, un minimum en tout cas pour en tout cas vous aider. Donc, si vous êtes amateur de velote, bienvenue. Si vous connaissez la chaîne, je suis contente de vous retrouver. On va pas tarder à démarrer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, ah ben justement, en fait, moi je suis pas mal fière de moi là parce que ces 15 derniers jours, j'ai réussi à passer première du classement. En fait, alors sur l'application que j'utilise, il y a un système de chaque partie qu'on fait, qu'on gagne, on a des points. On collecte des points, ou on en gagne, ou on en perd en fonction de, évidemment, si on remporte la partie ou non. Et donc, dans le classement, en fait, si vous voulez, voilà, qu'on vous dit bienvenue dans les ligues, etc., que chaque semaine, chaque joueur rivalise avec 100 autres joueurs du même rang. Et puis évidemment, ensuite, on passe de rang supérieur en fonction de notre classement à la fin de la semaine. Et donc, j'ai eu une petite période où je stagnais tout le temps, niveau 1, niveau 2. Pourquoi? Parce que je quittais les parties, j'étais contrariée de tomber sur des joueurs qui on n'arrivait pas à se trouver, ou alors ça annonçait n'importe comment, ça répondait alors qu'il n'y avait pas de points en main, etc. Et du coup, j'étais vraiment en colère et je quittais la partie, je faisais exprès de perdre. Et bon, à un moment donné, je me suis dit, arrête tes bêtises un petit peu, tu vas arrêter, tu vas jusqu'au bout et tant pis si tu perds, tu donnes ton maximum en tout cas pour gagner et on verra bien ce qui se passe. Et donc, eh bien, j'ai passé de niveau en niveau. J'étais pas mal au niveau 3 aussi, là, mi-juin. Et puis, là, il y a 15 jours, vraiment, j'ai vraiment pas mal remporté de parties et du coup, eh bien, j'ai pu accéder. Là, je viens. Là, c'est tout récent. Là, vous voyez, Tony, il est passé premier. Il a 3265. Moi, j'ai 3260. Donc, juste avant de faire la vidéo, j'étais première. Donc, on va tout faire pour. Et là, les deux, là, Tony et Charlie. Et en fait, il y avait premier moi, Crypto Cash. Et deuxième, il y avait Lionel. Et après, bon, j'ai pas capté. Je sais que Lionel était juste derrière moi. Donc, eux, ils viennent d'arriver en force. Allez, on va essayer de gagner la partie pour repasser premier. Alors que je sois première ou troisième, ça change rien. Hein. De toute façon, ce sont les 20 premiers qui montent de niveau. Donc, évidemment, ça ne m'apporte rien concrètement non plus, puisque hein, ce sont des points virtuels. Ce n'est pas comme si je gagnais de l'argent avec. Mais bon, c'est juste pour. Voilà, ça fait quand même plaisir. Donc là, je vais atteindre, si tout se passe bien, on est samedi, donc demain, dimanche, la fin de la semaine, et j'aurai les 5 étoiles. Je n'en ai qu'une pour le moment. Allez, on lance la partie et on va voir ce qui se passe. Donc juste avant de faire la vidéo, j'ai fait quelques parties là dans la matinée, parce que là il est midi moins le quart. Pas tant que ça, là, je sais pas, j'ai dû en faire deux ou trois. Entre chaque activité, je me faisais une petite pause, allez, une petite partie. Et j'ai pas mal gagné, donc j'espère qu'on va continuer comme ça. Alors là, il y a un système de pub, donc ce qui fait que, alors en ce moment, alors je sais pas si c'est en ce moment ou si ils vont le laisser tout le temps, mais il y a les points, on a 5 parties offertes, enfin pas 5 parties offertes, pardon, 5 parties pour lesquelles on a les points qui sont doublés. Donc c'est intéressant, mais au bout des 5 parties, il n'y a plus rien et du coup on doit attendre, il y a toujours ce. Donc on a une petite pub à regarder, bon bref, allez, on se met dans le jeu.
Donc, pensez bien, vous voyez mon jeu, pensez à, voilà, qu'est-ce que vous diriez à ma place? Donc là, concrètement, je vous le dis, hein, on n'a aucun atout en main, on n'a pas de valet, pas de neuf. Ok, on a l'as-10, mais c'est pas assez pour parler SA. Donc, du coup, voilà, hein, là, concrètement, on n'a rien. Si, à la rigueur, j'avais eu un autre as, j'aurais pu parler 80 SA. Parce que j'ai As-10 à cœur, j'ai 10 troisième à pique. Bon, le 10 carreau seul. Bon. Mais voyez, j'aurais pu tenter d'essayer de donner tout simplement. Ben, mais de. Oh là là. J'aurais pu essayer voilà, de donner mon jeu à mon partenaire, quoi. Pour lui dire, eh oh, j'ai des As, donc si tu veux parler, tu peux. Donc c'est pas top top tout ça parce que du coup quand même on a eu la coupe. Donc on a eu là on a eu enfin, il me fait là il a fait l'impasse là. Ouais, oui. Chose qui me bon. Allez, on va prendre au moins avec le roi. Il va repartir avec le roi. Mais oui. Puis mon partenaire, il met pas de points. Bah non, parce que c'était. Ah, on finit quand même avec. Ah oui, on n'avait plus d'atouts, pardon. Justement, je voulais compter les atouts juste avant et je me perds. Donc c'est bien, on fait la der, mais bon. Alors en plus, j'aime pas parce qu'on avait la partance et puis j'aime bien débuter la partie quand on commence comme ça. Donc là, on cherche même pas à comprendre les amis. Hein. Là, je pourrais dire 80 TA, d'accord? J'ai deux valets, le 9 troisième à trèfle. Mais là, je cherche même pas en fait. J'ai pas envie. Je suis dernière de parole. Je me dis bon, 80 TA pour que qui est peut-être l'adversaire qui aille chercher à une autre couleur. Peut-être qu'il est faible, mais qu'il a un valet en main. Donc voilà, je préfère laisser que la partance, elle revienne à nous. Là, par contre, c'est intéressant. Là, je dis 90 TA, là. Là, je dis 90 TA, parce que j'ai la longue à cœur. Et alors ça, par contre, donc voilà. Voilà pourquoi je fais ce genre de vidéo, les amis. Il parle pique, vous êtes d'accord avec moi? Il parle pique, je dis 90 TA, il a quand même 90 TA. Bon, il a le valet à trèfle, il peut me répondre sans. Surtout qu'il a la belote à pique, quoi. Et là, c'est très très mal joué de sa part de jouer, évidemment, puisque c'est l'autre, c'est l'adversaire qui va prendre avec le 9. Là, c'est très très mal joué de sa part d'avoir joué le. C'est d'avoir joué le valet en premier, quoi. Il ne fallait pas jouer son valet de trèfle. Oui, c'était très bien de partir petit pique. C'était très bien. Et là, on restait maître. Et là, en plus, il m'envoie. Là, du coup, on restait maître, les amis. Vous voyez? On restait maître et il n'y avait pas de souci, en fait. Et même s'il y avait le valet de pique qui était sorti, c'est pas grave. Il est belotté et il a le valet à trèfle à côté, je parle 90 TA. Donc si je parle 90 TA par-dessus lui, quand même, c'est que il doit quand même se dire à un moment donné que j'ai du jeu, quoi. C'est pas n'importe quoi. Là, il y avait presque un capot, il faisait qu'un pli. Hein. Là, il faisait un seul pli. Il partait petit pique, il gardait son valet de trèfle pour pas que l'adversaire reprenne la main. Ça, c'est un peu un secret, enfin, c'est pas un secret, mais c'est quelque chose à savoir quand même à TA, c'est super important. De rester maître avec nos valets autant qu'on peut. Donc, c'était très très bien joué ce qu'il avait fait de partir petit pique. Mais bon, allez, je me répète, là, je radote, désolé. Mais vous pouvez là comprendre en live. Donc là, j'espère que s'il a des as, il donne ses as. Donc vous êtes d'accord là, j'ai valet 9. Il coinche. D'accord, ok.
Bon, bah, il coince, hein. Écoutez, voilà, hein, moi j'avais l'as à trèfle, hein, j'étais bien, moi j'étais très très bien, j'avais un roi troisième. Le roi troisième à cœur, il est intéressant aussi parce qu'au lieu de jouer mon as, je pars petit cœur, je fais tomber l'as et le 10, et ensuite j'ai la main. Ok, d'accord, oui, d'accord, mais bon, si, belot, si les belotés derrière, moi j'ai aucun as, ah, mais bon, si les belotés derrière. Il fera ses sangs quand même. Hein. Ah, il n'est pas belloté. Il n'est pas belloté. Oh. Ah oui, en effet. En effet, je comprends. Je comprends qu'il est coinché. Genre, bon, là, on va lui dire bien joué. C'est vraiment pas mal du tout. Désolée, je suis toujours là. C'est juste que j'observais le jeu en fait. Voilà, je regarde parce que voilà, ok. Bon. Alors, là, on peut partir. Allez, on le tente parce qu'il faut le tenter, il faut y aller. On est tricolore. On est tricolore. J'ai la coupe à trèfle. Je suis légère en atout, mais j'ai quand même la partance. Donc, c'est ce qui me donne. C'est ce qui me donne. On va dire ce qui me donne l'avantage, hein, c'est quand même ça a coupé. Je disais c'est ce qui me donne l'avantage et du coup, bon, on laisse aller, on laisse. J'avais la partance, mais du coup, ben voilà, hein, moi j'en sais rien, on va faire ça. Hein. De toute façon, là, je vois pas trop trop. Et oui, hein. Donc, on est. Oh là là, il avait là sa trèfle. Donc, il y a quatre atouts là. 4, 5, 6. Donc il en reste deux. Ouais. Bon. Bah ça c'est fort dommage parce qu'on était quand même pas mal du tout. On était pas mal du tout. J'ai franchement hésité à monter Théa. Bon, là, Théa, j'ai bien envie de le dire, même si je suis dernière de parole, hein, quand même. Hein, parce que à cœur, avec la belote, le 9 second à pique, au top du top. Alors ça, c'est fantastique. Sans carreau, il n'est pas belloté. Il dit sans carreau, il n'est pas belloté. Allez. Non, 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 non. Il n'est pas belloté. Bon, j'espère que mon collègue, il a des as. Bon là j'ai joué le roi, je me doutais qu'il allait couper, j'aurais pas dû couper quoi.
J'aurais pas dû couper du tout. J'ai pas recompté les atouts, vous savez ou pas? Voilà. Et ouais, j'hésitais à coincher, mais bon. Ça passe, c'est dommage parce qu'avec la partance à 905, c'est dommage de ne pas tenter quelque chose. Hein. Franchement, bon, Isabelle, elle est là ou pas? Ouais, 120 piques, elle est là, ouais. Elle est bien là même. Bon, bah 120 piques, on va se prendre. C'est possible qu'on se prenne un petit capot là. Hein. Là, c'est dangereux là. Hein. Là, c'est dangereux, dangereux. J'aimerais qu'elle reparte. Ouf, yes. 4, ça coupe. Oh, trèfle, ça coupe. Ok, sympa. Et il fallait me la... Et voilà. Et voilà. Non mais c'était sûr ça. En plus vous allez voir que lui il aura encore un cœur. Voilà. Aïe aïe aïe. Je m'en suis douté. Je m'en suis douté. Je me suis dit mais laisse-la-moi. Laisse-la-moi que je la fasse couper derrière. Et voilà. Et... Oh là là. Désolée, je mange un petit morceau de pain. Allez. Allez, elle est pour nous cette partie. Bon, là, j'ai du jeu de fou, là. Là, les amis. Pas ce seconde de parole, là. Sans carreau. Allez, je descends du trèfle. Bon. Oh non, 141. Allez, du capot carreau. Coinche. Bon, là, on va la coincher, hein. Tant pis, on la coince. De toute façon, vous voulez faire quoi d'autre là, les amis? Je peux pas dire plus. Et voilà. Bon là les amis, j'ai pas parlé parce que... Ouh, c'était un peu chaud. Là, c'était un peu chaud. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ça aurait été bien que je puisse faire marche arrière en fait. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez vu, à carreau, elle est partie. Moi, j'ai pris du petit. J'ai pris du 10. Mais... J'ai pas rejoué carreau derrière. Pourquoi? Parce que si je rejouais carreau, sa partenaire là, elle se serait défaussée. Elle se serait défaussée du roi avec lequel on a fini à trèfle et on a gagné grâce à ça. Si j'avais rejoué carreau, elle aurait, voilà, elle se serait défaussée. Elle aurait gardé son, je sais pas, une carte maître quoi. Donc. Comme elle a parlé TA, je me doutais qu'elle avait le valet. C'est sûr, à 140 TA, sachant que son... En plus, sachant que sa collègue démarre à 100 carreaux. Donc, grosse, grosse, grosse erreur. Parce qu'elle démarre sans carreaux, sans le 9.
Enfin, elle n'est pas maître. Elle a valet, oui, elle a beaucoup d'atouts en main, mais elle a valet belloté et une carte à côté, quoi. Donc, on démarre pas à 100 à l'atout si on a valet belote. Non, 100, c'est valet 9, as 10. C'est maître, c'est on est maître. As, valet 9, as. Allez, on peut avoir le roi en minimum, de toute façon, à moins de vraiment pas ne pas avoir de chance que les quatre autres atouts soient chez l'adversaire. Bon, voilà. Donc, voilà, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je pars l'as, je fais tomber le valet de suite. Voilà, au moins, moi, je reste maître avec mon 9 à trèfle, j'ai encore le 7 pour me défausser, et puis après, bah, tant pis, je me défausse à côté, quoi. Et donc, bah, j'ai trop bien fait, parce que comme vous avez vu, on a fini avec. Moi, j'ai eu un peu peur quand même avec le valet à pique, parce que j'ai vu que mon partenaire a jeté le 9 à pique, et je me suis dit, bouh, moi avec l'as second, j'ai la main aussi avec l'as second. Lui, quand il va poser son valet, j'aurai encore l'as. Mais en fait, je me suis dit, non, je le sens que. Je le sens que. Il faut pas. Il faut que je garde mon 9 de trèfle. Et j'ai bien fait. Voilà. Bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Du coup, bah, on va voir où j'en suis. Au niveau du classement, on va avoir une petite pub qui va apparaître. Donc vraiment désolé, c'est le jeu qui veut ça. Et voilà. Donc je coupe le son vite fait. Donc ça dure 20 secondes. On va aller voir le classement, voir si je suis repassée première. Ce serait au top. Donc voilà, donc ATA, c'est important de pas jouer n'importe comment, de conserver ça. On l'a vu au tout début de partie aussi, je crois, hein, où mon partenaire a joué son valet de trèfle alors qu'il suffisait juste d'envoyer petit pic pour faire sortir son valet chez lui. Puis moi, on avait tout le reste en fait. Voilà, je parle 90 TA. Tu vois que tu as le valet en main. Un autre, le valet d'une autre couleur. Tu te dis que bah oui. Tu te dis que bah oui. Sinon, peut-être qu'elle m'aurait répondu à pique si elle avait le valet de pique. Vous voyez? Ben voilà, il fallait qu'il réponde à là. Bref, allez, on regarde le petit classement. Et qui? Et oui, je suis repassée première. Bon, allez, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous. Pardon, excusez-moi, je n'arrive plus à parler. Si la vidéo vous a plu. À me laisser un petit commentaire aussi pour ben, me dire que vous êtes là, me dire ce que vous en pensez. Et voilà, et c'est tout. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous.